Bonjour à toutes et à tous. Bonne journée internationale du thé. C'est le 20 et 21 mai cette année. Troisième journée internationale du thé, donc en 2022. Voici un petit message de France pour tous ceux qui nous écoutent au niveau international. J'ai fait le même message en anglais également, donc vous pourrez le voir sur cette chaîne. Donc là, en fait, la France, à l'intérieur du continent européen, est un consommateur et un importateur plutôt modeste de thé. Voilà, on consomme à peu près 2 fois moins de thé que les Allemands et 7 fois moins que les Britanniques. Mais en fait, la particularité de la France, c'est que on importe et on consomme du thé d'assez haute qualité, en fait. Voilà, des amateurs de ce thé de grande qualité. La situation sanitaire en 2020-2021 n'a pas trop affecté la consommation et l'importation de thé, qui est restée stable. Et on a même eu en fait des producteurs, des agriculteurs qui ont planté des théiers en France métropolitaine, en Bretagne, en Normandie, ailleurs. Dans l'espoir, effectivement, d'avoir du thé de qualité dans les prochaines années. On avait déjà du thé en France, mais en Outre-mer, à La Réunion, depuis les années 60, et il y avait plusieurs centaines d'hectares de thé. Bon, malheureusement, pour des raisons économiques et pratiques, ça s'est fortement réduit, mais on a toujours un producteur de thé qui produit un excellent thé vert et thé blanc à La Réunion. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir goûter et acheter un peu de ce thé. Donc la connaissance en fait du thé est en train de se développer en France. Vous savez que les Français apprécient tout ce qui est produit avec soin, la variété des goûts, la subtilité des goûts et des saveurs. Et cette culture, qui était déjà très répandue en Asie de l'Est, est en train de se développer en France. Mais bon, les consommateurs français sont aussi très sensibles au respect de l'environnement et des producteurs, des conditions sociales. Et c'est pourquoi beaucoup du thé de qualité est finalement labellisé commerce équitable, que ce soit par ce label ou par ce label, voilà. Ou d'autres labels encore. Mais bon, la certification. On voit que c'est une chose dont les effets sont pas toujours immédiatement visibles ou compréhensibles par le consommateur. Donc, ce qui est important aussi, c'est que ces marques qui achètent directement du thé dans les pays producteurs, parce qu'en France, on va produire des quantités, mais qui sont très petites. Donc, on parle essentiellement en fait encore de produits d'Asie ou d'Afrique de l'Est. L'important est que ces marques, en fait, connaissent les conditions sociales, s'en préoccupent et contribuent à les faire évoluer aussi en donnant un prix plus intéressant aux producteurs. J'ai observé qu'un certain nombre de marques sont apparues au cours des dernières années, de marques de thé. Alors, il y en a quelques-unes qui réimportent du thé, en fait. De gros importateurs qui sont principalement en Allemagne, mais il y en a d'autres qui créent des filières directes, parfois avec le pays d'origine de ces personnes, Vietnam, Chine, Inde, etc., ou par connaissance de ces pays. Et donc ça prouve un peu leur intérêt croissant pour des thés d'origine et de qualité. Voilà, donc je pense que cette préoccupation du respect de l'environnement et des producteurs est toujours présente. Et c'est quelque chose d'important dans le thé qui connaît aujourd'hui un petit peu un tournant dans ses modes de production et dans son image. Donc voilà. Donc je vous souhaite un très bon jour, une très bonne journée internationale du thé, troisième journée internationale du thé, et un bon week-end à tous.